Bonjour à tous. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous aura-t-il recommandé dans Matthieu 22, 39. Mais l'amour qui existe entre un homme et une femme, c'est-à-dire le conjoint et sa conjointe, est-il le même? Qu'est-ce qui fait le fondement d'un foyer? Cette question et bien d'autres encore vont nous aider à comprendre les vraies valeurs d'un mariage réussi. Bienvenue à vous. Nous sommes avec le pasteur Lawson aujourd'hui pour nous aider sur le thème « Les fondements d'un foyer ». Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de notions perdent leur valeur de base. Et donc, avant d'aller plus loin, quand on dit « foyer », que désigne-t-on par ce mot dans la circonstance de notre thème? Ok, c'est moi qui vous remercie pour cette question. Nous sommes très heureux d'apporter quelques contributions, soit peu, sur ce thème qui, je dirais, est d'actualité. Puisqu'aujourd'hui, nous confondons tout et nous allons tous à la va-vite. Et le foyer, comme nous pouvons le dire, c'est un lieu où se rassemblent des individus. Maintenant, quels individus? Je dirais que ce n'est pas seulement un lieu où nous mangeons, nous dormons, mais c'est ce lieu où se goûte l'amour, l'amour domestique, la vie familiale, c'est le vrai sens du foyer aujourd'hui, en des termes plus brefs que je voudrais vous apporter. Donc, en résumé, nous disons que le foyer, dans notre contexte de fondement de foyer, donc c'est le lieu-là, c'est ce lieu-là reposant, c'est ce lieu-là qui est plus calme, c'est ce lieu-là qui nous donne de vivre l'amour au quotidien. En quelque sorte, là où il y a la chaleur humaine. Là où il y a la chaleur humaine à partager. D'accord. Alors, selon vous, en tant qu'homme avant tout et en plus pasteur, quels sont les fondements d'un foyer? Les fondements d'un foyer, et laissez-moi vous dire d'abord que je suis pasteur et ma réflexion, comme cela ne vous surprend quand même pas, que ça va être un peu plus public par rapport à la théologie. Et je voudrais tout simplement vous dire que d'abord, il faut qu'on conçoive que le foyer, c'est d'abord une institution divine. Le foyer, le mariage. Oui. Le mariage, le foyer, c'est une institution divine. Parce que d'abord, nous devons savoir que c'est dans la préscience de Dieu. Quand Dieu créait l'homme et la femme, il ne les a pas mis seulement là, mais il a dit, vous serez ensemble et vous aurez à faire ci, ci, ci. C'est là où il a dit, multipliez-vous, dominez sur. Donc, c'est être dans un lieu où vous allez vous comprendre, où vous allez partager l'amour avant de dominer sur les animaux, avant de multiplier, avant de. Donc, c'est ce cadre-là. Donc, disons que si nous disons que le fondement de l'amour, le fondement du foyer, je dis d'abord que c'est dans la présence de Dieu. Maintenant, au-delà de cette présence de Dieu, Dieu nous a déjà donné, quand il les créa hommes et femmes, et il leur donna ses recommandations. Aujourd'hui, donc, quelles sont les pistes que nous proposons? Pour ces fondements, je m'en vais vous proposer six pistes. Six pistes, au-delà de ce que nous avons dit. La première piste, c'est d'abord la recherche de l'équilibre de ses amoureux, de nos amoureux, de l'homme et de la femme, du conjoint et de la conjointe. Qu'est-ce que j'appelle par l'équilibre? Il faut que nous veillions aux compliments. Parce que ces compliments qui se disent, « Oh, tu sais, tu es jolie. Oh, mon homme est beau. Quelle jolie veste, quelle jolie coiffure. » Ce sont ces manières qui nous amènent à un certain équilibre dans le foyer. C'est ça, booste la confiance en soi. Ça booste. Et non seulement ça booste, mais ça fait vivre. Ça fait vivre. Et c'est intéressant de le partager. Malheureusement, aujourd'hui, on a oublié qu'on lui avait dit « Mais tu es jolie. » Mais quand je ne te vois pas comme Mario l'a chanté, hein, parce que nous avons passé 7 ans au collège, on disait le soir dans mon lit, quand je n'arrive pas à m'endormir, je ne pensais qu'à toi. On a oublié tous ces mots. Et aujourd'hui, on se dit, on est déjà dans le couple et on peut se laisser faire. Non, revenons, parce que ça fait partie des fondements
même de l'équilibre du foyer. Au quotidien. Au quotidien, nous devons encore avoir cela. Au-delà de cela, il y a un aspect aussi que je voudrais aborder avec vous, c'est le toucher. Ah, c'est-à-dire le tactile. Le toucher, le toucher. Juste avoir cette envie également de toucher son partenaire, de la taquiner, de le taquiner, le toucher. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, madame, ces gestes aussi simples font que nous donnons ce que l'on appelle l'endorphine, qui te fait vivre et qui me fait vivre. Donc, il faut faire revivre ces petits gestes qui font que l'autre reçoit l'intention et c'est que je vis en passant, on peut juste le toucher. On se sent proche. On se sent proche, ça rapproche et c'est la chaleur. Ça revive la chaleur humaine et ça fait toujours du bien. D'accord. Au-delà de toucher, nous avons un troisième aspect. Nous devons garder à l'esprit que ni l'un ni l'autre ne sont pas parfaits. Parce que cela fait partie des fondements. Si nous ne gardons pas à l'esprit que ni l'un ni l'autre ne sont pas parfaits, alors on aurait à reprendre l'autre rudement. On aurait toujours à accuser l'autre. Et c'est toujours l'autre qui serait toujours en tort quotidiennement. Et vous l'imaginez bien. Si l'autre est toujours en tort, ça veut dire que la vie n'est plus vivable. Hein? Si on reprend toujours l'autre rudiment. Puisque chacun entre dans ce foyer avec son éducation. Avec son éducation, bien sûr. Donc il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Et si on ne fait pas attention, de comprendre que nous sommes à une école. À une école où nous devons toujours comprendre que nous sommes venus pour nous compléter. C'est une vie de complémentarité que nous sommes venus mener. Si on pense que c'est moi qui vais mener ma vie et que l'autre, le partenaire ou la partenaire, n'a pas d'identité, n'a pas de vie, n'a pas d'opinion, n'a pas d'avis, ce n'est pas une vie. Parce que à ce niveau, voyez-vous, et des fois, quand on ne comprend pas que nul n'est parfait et qu'on est venu pour avoir cette complémentarité, on a cette impression de vouloir changer le partenaire, de vouloir changer la partenaire. Et je vous assure que vouloir changer l'autre, c'est se lancer en adversité. Vouloir changer l'autre, c'est aller en conflit envers soi. Parce que, nous l'oublions pas, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Nous venons d'horizons divers et nous devons tenir en compte cet aspect qui est très capital. Voilà pourquoi j'ai donné ce troisième. Oui, mais il y a quelque chose, souvent on dit qu'on ne peut pas changer quelqu'un, mais il y a quand même des choses qu'on peut essayer de corriger. Changer quelqu'un n'est pas dans notre volonté, n'est pas dans notre force. C'est comme si vous me faites un reproche, parce que je connais. Oui. Mon chef me fait un reproche, parce que je suis son agent. Un de mes amis ou une de mes amies ou collègues me fait un reproche. Ça voudrait dire que la chose est vraiment répétitive. Répétitive, ce qui veut dire que ça existe. Oui. Donc là, ça devient un truc avec lequel je vis. C'est dans mes habitudes. Donc je dois essayer de corriger. Puisque quand on fait un report, ça veut dire que c'est le mauvais côté d'une chose. Oui, c'est ce que je dis. Je ne vais pas me placer en mentor pour m'imposer que c'est à moi de te changer. Mais de t'emmener à comprendre que ceci, que ce que tu fais, l'acte que tu poses, ce geste-là, n'est pas conforme avec ce que nous vivons. Et ce n'est qu'en cela que vous pouvez changer. Mais si je m'impose, je me dis que vous devez changer, et forcément, vous devez le faire, alors là, c'est du désastre. Ça ne marche pas. Ça voudrait dire qu'amener subtilement l'autre à devenir meilleur. Voilà. Et dans mon quotidien, j'ai l'habitude de dire, il faut toujours la manière. Il faut choisir le canal. Il est vrai, je peux t'insulter, mais avec une certaine manière, et tu vas accepter. De la même manière, je peux te dire bonjour et tu vas penser que je t'ai insulté et ça va créer des problèmes. Justement, c'est dans le couple quand je sais que l'autre vient d'horizons divers et que moi aussi, ma culture. Parce que n'oublions pas que nous sommes nos backgrounds. Oui. Nous sommes ce que nous avons été. Nous avons On a toute une histoire. On a toute une histoire derrière. On a été formés, on a été forgés. Certains parents nous ont donné des moules, des modèles à être. Et n'oublions pas que au-delà de cela, maintenant, quand nous venons dans l'Église, l'Église aussi, avec sa condition qui nous amène à comprendre l'autre, parce que la vie chrétienne nous enseigne toujours l'amour. Et il faut que, au-delà de tout, que je comprenne que je dois amener l'autre à vivre l'amour. Et c'est en amenant l'autre à vivre l'amour que je dois savoir que l'autre n'est pas moi, que l'autre est différent de moi,
Alors là, pour lui dire, je dois quand même réfléchir. Je dois savoir comment le faire. C'est en cela que je dis que c'est un point également très capital. Le quatrième point, rapidement, c'est nous devons faire preuve de loyauté dans nos disputes. Pourquoi parler de disputes? On demande de parler des fondements du foyer et le pasteur Freeman parle de la loyauté dans la dispute. Oui, parce que nous en vivons quotidien. Oui, mais la loyauté dans ce, voilà, ce contexte, c'est quoi? C'est ce que je veux amener. Nous devons d'abord comprendre que dans un foyer, il peut avoir des disputes. Il doit avoir des disputes. Souvent, il peut avoir des disputes. Souvent, pour que cela ne nous surprenne pas. Souvent, on lit sur les réseaux sociaux que deux personnes qui vivent ensemble ou bien un couple qui ne se dispute jamais, c'est un groupe d'hypocrites. Moi, je les appelle association femmes-hommes. C'est tout simplement une association femmes-hommes. Ils se sont regroupés là pour des intérêts. Et puis ça reste là. Peu importe ce que tu fais, peu importe là que tu poses, ce n'est pas mon problème. La loyauté, maintenant, ici, c'est de comprendre qu'il doit avoir d'abord cette dispute et choisir le moment d'en parler. Choisir le moment d'en parler parce que si je n'accepte pas la chose, je ne peux pas vivre avec. Parce que, vous savez, vous, peut-être... J'ai eu un jour au bureau une jeune mariée qui me disait « Pasteur, mes parents m'avaient pourtant dit que le mariage, quand on rentre dans le mariage, on est tout heureux. Et voilà que depuis, quand je dis « mon mari ne me comprend pas, et moi je veux abandonner. » Et j'ai dit « Oui, ma fille, tu as raison. » Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Les parents ne lui ont pas dit que les problèmes viendront. Mais vous devez les gérer. Donc, c'est pourquoi dire que les problèmes sont là, prendre conscience de ces problèmes font que nous vivons avec. Donc, c'est un point très important. Et quand je parle de loyauté, c'est la manière maintenant de gérer ces conflits. D'accord. Et voilà, et trop souvent, il y a de ces hommes-là qui fuient, et qui découchent, disent « je n'ai pas la paix, et je n'ai pas ceci », et on fuit les problèmes, mais... La Bible nous dit, hein, si tu essaies de fuir tes problèmes, ce qui t'attend devant est beaucoup plus grand. C'est quelqu'un qui dit, j'ai essayé de noyer mes soucis. C'est dans l'alcool. Mais ils savent nager. Non, les soucis sont là et nagent bien et t'attendent au bord. Et du coup, tu finis. Les soucis aussi te disent, te tendent la main. Sois toujours la bienvenue. Nous sommes là, nous t'attendons, évoluons. D'accord. Et la marche reprend de plus belle. Quand les disputes arrivent, les disputes ne sont jamais positives, hein. Mais c'est ce qu'il faut tirer de ces disputes qui sont maintenant productives, des enseignements. Et quand ça vient, quand on ne fait pas attention, on risque de lancer des mots pas très gais, pas très beaux. Et voilà pourquoi on peut se laisser le temps des fois de se retirer. Le cinquième point qui suit directement ce moment de dispute, c'est un choix, le choix du bon moment. Du bon moment, quand je dis le choix du bon moment, c'est dans tous les sens. D'abord, je prends le cas de la dispute dont je viens de parler. Le choix du bon moment veut dire, peut-être, toutes les fois, ou bien presque toutes les fois, on dit, eh, tu sais, ma fille, quand on va aux cérémonies de fiançailles hein, ou de d'autres, ma fille, tu sais, il faut réveiller ton mari hein, à 4 heures. S'il y a un problème, il faut lui parler. Moi, Freeman, on ne me réveille pas à 4 heures. S'il y a quelque chose, parlons de ça à 21h, à 22h, à 23h. On va se coucher après. On va se coucher après, on va régler tout. Que de me gâcher mon sommeil après. Parce que c'est une éducation, c'est ce qu'on lui a dit. Alors que tu ne connais pas ton homme, il n'aime pas peut-être qu'on le réveille. Et toi, tu viens le réveiller, tu ne feras qu'enflammer la dose de dispute. Donc, quand je parle ici du choix, du bon moment, c'est aussi dans ce sens. Il faut savoir quand lui parler. Peut-être ce n'est même pas sur le lit. Peut-être ce n'est même pas au lit. Peut-être ce n'est même pas à table. Peut-être ton homme, il aime, ou bien ta femme, elle aime quand vous mangez, ou bien quand vous sortez, ou bien une sortie, ou bien une sortie récréative, ou bien. Donc, il faut savoir. Il faut connaître son partenaire ou sa partenaire. Pour voir, ce n'est pas parce que l'autre l'a fait à ce moment, ça a marché, que moi, si je dois le faire à ce moment, ça doit marcher. C'est un peu la nuance que je... Chaque couple a sa réalité. Chaque couple a sa réalité. Chaque personne, avec son éducation, ne l'oublions pas, son éducation, donc c'est ça qui va lui permettre. D'accord. Je parle du bon moment également, du bon moment pour parler des enfants, du bon moment pour parler du couple, de la vie du couple, du bon moment pour parler de nos projets,
on ne peut pas parler du projet quand on est fatigué, quand on est affamé. On ne peut pas parler des projets en ce moment. On n'a pas sa tête. Donc, il faut savoir, il faut choisir toujours du bon moment pour tout. En sixième point, c'est cette oreille attentive. Avoir la grande oreille. Écouter l'autre. L'écoute. L'écoute attentive. Il y a l'écoute et l'écoute attentive. On peut écouter l'autre sans prêter attention. Mais je souligne que je parle ici de l'écoute attentive. Cette écoute attentive nous permet de comprendre au-delà de ce que l'autre dit et de chercher à mieux être dans sa peau et de comprendre l'autre. Et je pense que si nous arrivons à cette étape de la vie dans notre foyer et à comprendre que je dois toujours me surpasser, je dois toujours écouter plus que de parler, alors là, je nous dis que si ces six points-là sont observés, nous aurons un foyer et assez stable, même si, nous le disons, la perfection n'y est pas. Hein? La perfection n'y est pas. Assez épanoui. Assez épanoui. Et puisque le temps qu'on a à vivre ensemble n'est pas si long, pourquoi ne pas prendre en compte ces aspects Et vivre plus de bonheur. Pour lequel Dieu nous a amenés dans cette vie. Il nous a juste donné le temps de jouir, de vivre. Alors, si on est ensemble, c'est justement pour vivre et pour amener ce bonheur-là. D'accord. Pasteur, si vous le permettez, nous allons suivre cette petite vidéo d'échange de vœux entre deux conjoints et on se retrouve. Oui, Clarisse, tu sais, je t'appelle toujours princesse parce que hier, j'étais un prince déchu. Les hommes m'avaient rejeté, abandonné. Mais toi, tu as vu plus grand que ce que moi j'étais. J'avais perdu espoir sur moi-même. Mais toi, tu as vu plus grand que moi-même. Tu m'as donné espoir de vivre. Et aujourd'hui, si je me tiens devant les hommes, les gens ne savent pas que quand j'ai pleuré, tu étais là, tu m'as rappelé. Alors, Pasteur, vous l'avez suivi tout à l'heure, vous avez vu la vidéo où l'homme disait qu'il a été rejeté par beaucoup, par tous, et sa future femme a été son espoir. Elle a su voir grand en lui. C'est clair que cette femme a été du soutien dans sa vie. Et justement, en quoi consiste le soutien d'une femme dans la vie de son homme? En quoi consiste le soutien d'une femme dans la vie de son homme? Je voudrais, il est vrai, j'ai suivi avec beaucoup de joie, hein, je le souligne, toutes ces déclarations dans la vidéo. Il est vrai, il y a un dicton qui dit derrière tout grand homme, il y a une grande dame, il y a une grande femme. Oui, il l'a prouvé. Vous savez, malheureusement aujourd'hui, permettez-moi de le dire, de ces femmes-là, on peut dire qu'elles sont rares. Oui, parce que je voulais comprendre quelqu'un avec que je rencontre qui n'a rien au départ. Comment je peux croire en cette personne avec l'assurance que l'avenir sera meilleur? Oui, je voudrais justement reposer la question autrement. Justement, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois aller? Parce que l'avenir est prometteur que je dois aller? Parce que ce qui se profile à l'horizon est radieux que je dois aller. Pas forcément, mais chacun veut le meilleur pour soi. Justement, et c'est dans ce sens, madame, que j'ai repris la question autrement. D'accord. Vous savez, je dirais que cette femme incarne en elle ce que nous disons la foi. Elle a cette ferme conviction, et comme j'ai l'habitude de définir la foi avec les propos d'un de mes professeurs, d'un de nos pasteurs, le feu révérend docteur Aïdjé, qui est décédé, un ancien modérateur, il nous a toujours dit à l'école que la foi, mes chers étudiants, c'est l'aventure avec Dieu. Et vous savez, quand on dit que quelqu'un part pour l'aventure, c'est dans un monde incertain. Ouais. On ne sait pas ce qu'on attend. C'est l'inconnu. Hein? C'est l'inconnu, mais on s'attend au meilleur. Et c'est justement ce que cette femme a fait. Le monsieur, elle a dit, quand ils se sont rencontrés, il n'avait rien, mais elle a cru en elle. Donc, avec son énergie, avec sa force, elle a boosté ce monsieur. Et vous savez, c'est parce que l'homme aussi est reconnaissant qu'aujourd'hui, on le sent. Pleines de femmes se sont jetées à l'eau. Oui. Mais combien ne se sont pas vues payer avec le revers de la médaille. Il faut le souligner également.
voilà ce qui décourage également plus d'une. Aujourd'hui, hein, surtout notre génération. On aurait beau faire, et c'est le moment où on tire les cravates qui dit, au fait, c'est une paysanne. Au fait, elle n'est vraiment pas conforme. Au fait, elle n'est pas de ma classe sociale. Elle n'est pas de mon rang. Et c'est là où on se comprend. Mais je voudrais dire que c'est Dieu qui paie. C'est Dieu qui est au-delà de tout. Et je voudrais inspirer également les frères et sœurs, les téléspectateurs, à se dire que même si moi je le fais et que l'autre ne joue pas sa partition, c'est à Dieu que je le joue. Et je sais qu'en le mettant, Dieu agira, Dieu va préparer le cœur de l'autre à être reconnaissant. Justement. C'est la fin de cette phrase qui m'a... Sinon, j'allais intervenir. C'était pour dire, mais d'autres l'ont fait comme ça, ils ont été malheureux, malheureuses dans le couple, parce que ça fonctionne en sens unique. Voilà. C'est ce que j'avais souligné. Oui. Mais quand on met Dieu dedans... Il finit par toucher le cœur, il restaure, il travaille la personne. Et moi, je voudrais également retourner la question, je voudrais retourner également la question pour le redire encore autrement. Cette confiance-là, cette foi-là, il faut que les deux partenaires l'aient. Mm-hmm. Nous allons arriver tout à l'heure aux valeurs de chacun avant d'entrer dans le couple. Mais quand vous avez souligné la foi de la femme, tout de suite, je me suis dit, vous avez vu juste, parce que la femme aussi, en prononçant ses vœux, elle a dit quelque chose. Nous allons retourner suivre cette vidéo. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est que la fidélité de Dieu. Dieu m'a appris à compter sur lui. Dès tout petite, le Seigneur m'a appris à compter sur lui. Loin de mes parents. Et j'aimerais aussi dire, une personne très importante que le Seigneur m'avait donnée, ma grand-mère qui ne plie, elle m'a appris. À chaque fois, si tu as un problème, fléchis tes genoux devant le Seigneur. Alors, pasteur, l'amour dans le mariage, quelle doit être sa place? Et quel type d'amour l'homme et la femme, c'est-à-dire le conjoint, la conjointe, doivent-ils partager? La place de l'amour dans le foyer, mais je dirais que c'est l'amour qui est le pilier. C'est l'amour qui nous rassemble. C'est, si on est là, c'est à cause de l'amour, évidemment, c'est la première place. Mais laissez-moi vous dire que, il est vrai, nous savons, comme je le dis, nous concevons que l'amour est le soubassement de notre vivre ensemble, de ce foyer. Mais force est de constater aujourd'hui que l'amour a une connotation aussi négative que ça. Et on met tout, quand on pense à l'amour, on pense au sexe, malheureusement. On pense au sexe et... Quand on dit l'amour au sein d'un foyer, on pense que c'est le sexe. Parce qu'aujourd'hui, le « je t'aime », c'est « je te sexe ouais. ». Si on peut se le permettre. C'est-à-dire quand on dit « si tu m'aimes vraiment, je dois goûter, je dois coucher avec toi, je dois faire ci, je dois faire ça ». La mentalité aujourd'hui résume l'amour au sexe. Certes, le sexe fait partie de l'amour. Ça fait partie de notre vivre ensemble. Ça fait partie des piliers. Parce qu'avec ça, on maintient, on reste, ça fait vivre. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait vivre le foyer. C'est tout un paramètre. Hein. Ce n'est pas seulement que ça. Et malheureusement, nous quittons de vue cela. Mais vous savez, j'aime quand l'apôtre Paul définit l'amour. Il dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour excuse tout. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout, ne périt pas, etc. C'est en cela, nous croyons en l'amour. Et quand on croit en l'amour, alors que du jour au lendemain, si ce n'est pas l'amour qui nous unit, et si c'est le sexe, excusez-moi de le dire, nous avons également des cas d'infertilité, oui. Nous avons des cas d'impuissance, oui. Nous avons des cas qui concernent justement le sexe. Et si ces moments arrivaient, et si ce moment arrive, ça voudra dire que le foyer n'existe plus, le couple n'existe plus. Alors, si nous mettons tout sur, si nous confondons l'amour au sexe, nous avons perdu et nous allons hors plat. Mais si nous savons que l'amour, c'est le cœur, c'est ce que j'ai dans le cœur que j'ai à donner, alors
nous avons plus à donner que le sexe pour faire vivre notre foyer. Et cet amour, ça se reflète en quoi? Cet amour se reflète... Du cœur. Envers l'autre. Voilà. Il y a la beauté du cœur, comme ça se dit. Et cet amour, c'est le reflet de la cuisine, par exemple. Et il y a la beauté culinaire. Cet amour, parce que j'aime mon mari, j'aime ma femme, que je peux me permettre aussi d'aller à la cuisine. Je sais qu'elle aime ça, je sais qu'il aime manger ça. C'est tout, c'est le reflet de l'amour, lui faire plaisir. Donc l'amour pour moi, l'amour dans ce sens dont nous parlons, en tant que fondement du foyer, c'est avoir en tête de faire plaisir à l'autre. C'est toujours de mettre l'autre à l'aise. C'est toujours d'essayer d'aller au-delà de ce que l'autre pense pour avoir cette quiétude. Sinon, pourquoi être ensemble? Être ensemble, on peut être ensemble. J'aime quand le psalmiste l'a dit, hein, il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Et il a ajouté que c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Ce qui voudrait dire qu'on peut être ensemble et ne pas être unis. Mais avant d'avoir la bénédiction et la vie, il faut être ensemble et être unis. Et être ensemble et être unis veut dire partager l'amour. Si on ne partage pas l'amour, on peut être ensemble. C'est là où je soulignais entre-temps que être ensemble, on peut être ensemble et former l'association femmes-hommes. Chacun vient pour son but, pour son intérêt, et on est là. Mais si on est là dans un couple et que c'est dans un mariage, on est là, on pense à l'autre. On pense l'autre et on pense à l'autre, alors on ira au-delà. Et c'est l'amour qui vaut au-delà de tout. D'accord. J'ai aussi entendu dire que pour entrer en foyer ou dans un mariage, il faut avoir des valeurs chacun de son côté. Selon vous, c'est quoi ces valeurs? Les valeurs, je crois que nous en avons dit, nous en avons parlé. Mais je voudrais résumer... On a parlé plus de la femme, mais de l'homme envers sa femme, c'est quoi? D'accord. La valeur. C'est un mot très fort. Et je voudrais, à mon niveau, lui dire que dans nos enseignements, dans ce que nous prêchons, dans nos accompagnements, nous mettons l'accent sur deux choses. Quand on veut parler des fondements d'un foyer, et nous venons à cet aspect valeur, nous devons avoir en tête l'amour dont nous venons largement de parler, et un autre aspect, la communication. L'autre valeur qui maintient un foyer, c'est la communication. Un foyer dans lequel il n'y a pas de communication ne marche pas. On est tous malheureux. Et je voudrais résumer cela par les vers d'un de nos cantiques français, chantons sans cesse, le cantique 751 qui dit « On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. » Strophe numéro 2 dit, vers Dieu s'élève un chant, un doux chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Le ciel sourit brillamment quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gai chante l'oiseau et murmure. Vous voyez tous ces mots. Quand règne l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la quiétude. Donc c'est l'amour et la communication qui font d'un foyer les valeurs essentielles que les partenaires doivent avoir. Je ne parle pas seulement de la femme, je ne parle pas seulement du mari, je dis les deux partenaires doivent avoir ces deux vertus. Les fondements d'un foyer, c'est le thème qui nous a réunis donc ce matin dans l'église aujourd'hui. Important savoir que l'amour véritable, l'amour le vrai, est nécessaire dans le couple, mais l'amour ne signifie pas sexe. Aussi, c'est important de se faire des éloges chacun parce que ça vivifie et ça booste l'autre par rapport à sa confiance en soi.
Et le soutien de la femme dans la vie de son homme est également important et inversement aussi. L'homme a devoir de protéger sa femme dans toutes les situations. Pour conclure, je vais vous laisser sur cette vidéo qui est tellement émouvante où le monsieur a perdu tout son lantin du fait que sa femme est en robe blanche, c'est-à-dire il n'a pas cru que ce jour arriverait, mais c'est quand même arrivé. C'est très beau, c'est juste pour vous rappeler, vous, votre meilleur moment de ce temps-là, si vous êtes déjà marié devant Dieu et devant les hommes. Merci donc de nous avoir suivis dans l'église aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cette émission. Bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine. La TBT au cœur de votre vie.